Les sportifs, j'espère que vous allez bien. Nouveau entraînement à faire à la maison avec la machine de musculation ou dans une salle de musculation ou chez vous, voilà, comme je vous ai dit, ou comme je vous ai dit aussi dans votre salle de musculation, voilà, ça c'est à vous de choisir. Moi pour cet entraînement, je vais pas mettre énormément lourd. Pourquoi? Parce que hier j'ai taffé en lourd, voilà, et comme normalement aujourd'hui ça devait être mon jour de récupération, mais qu'aujourd'hui je devais à la fois faire une vidéo entraînement aussi, je vais pas taffer en lourd pour pas me blesser. Parce que tout simplement, j'ai pas envie de me faire mal, j'ai pas envie de me niquer les articulations et j'ai pas envie de me faire des déchirures musculaires ou des blessures inutilement. Alors, je reviens, je vais enlever un petit peu de poids et voilà, voilà. Voilà, on enlève un petit peu de poids, on enlève un petit peu de poids. Alors, le premier exercice qu'on va faire, c'est avec la barre. Hop, le premier exercice qu'on va faire, c'est avec la barre, c'est avec la barre. Voilà, voilà. Moi j'appelle ça du curl biceps à la barre. Et là je vais faire deux séries. Là je vais faire deux séries de 15 répétitions. Voilà. Vous êtes prêts? On commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On pose et on souffle. On pose et on souffle. On détend un petit peu les bras. Même que ça pique pas pour l'instant, on détend un petit peu les bras. Parce que vous allez voir qu'après ça va piquer. On revient comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. L'entraînement que je vais faire aujourd'hui va peut-être être court, mais il va être très intense. Deuxième exercice, ça va être pour les pectoraux. Voilà, voilà. Alors là, on va faire deux séries de 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec ça, vous travaillez le haut de vos pectoraux. Et ce qui est bien, en fait, c'est comme du développé couché. Voilà. En fait, là, c'est vous êtes assis et ça, vous bossez votre haut de pec. Voilà. Deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Là, on va passer au troisième exercice qui est pour les cuisses, pour bosser les quadriceps. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Là, on va faire deux séries de 15 répétitions. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Soufflez. Et on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors voilà les sportifs. Comme je vous ai dit, l'entraînement était peut-être, il était peut-être court, mais il était très intense. Voilà, voilà. Et maintenant, on va passer à un update du physique. Comme je sais que vous adorez, comme je sais voilà que vous aimez bien, c'est genre de quand je vais dans les updates du physique. Ben voilà, hop, on va débâcher et vous allez voir que ça reste parfait. Voilà. Je sais pas si avec la lumière on voit bien, voilà, mais on voit que ça reste sec, voilà. Si j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien, on va plutôt se mettre à la lumière. On va plutôt se mettre, voilà, ouais, ici. Comme ça, voilà, comme d'habitude, on va bouger ça. On va remonter, voilà, comme ça, et voilà, comme ça. Ça, les triceps, les biceps, les pecs, les cuisses, le dos, ouais. Non, les abdos, quoi, je me suis trompé. Je sais pas si je vais poser pour le dos, mais... Le dos, voilà, les cuisses, et voilà, vidéo terminée, voilà, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube qui est Brandon Torres d'entraînement, bah abonnez-vous, allez me prendre un ami sur Facebook, le lien sera dans la description, voilà, voilà, et aussi, bah, si vous avez la même machine que moi qui est là, bah, essayez, bah, faites l'entraînement que je viens de vous montrer, vous allez voir que ça va brûler. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça
Salut les sportifs.